que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. O te mananga e comme ça yo. Babanzo nanga e sanjola yo. O oyonga na zomona ilongoli bonzame na yote. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos, ok? Alors là, vite fait, on va parler de la nomination de Inos B dans le BET Awards de l'année 2020, parce que on constate quand même clairement comme ça la absence de Fally Ipupa et les langues ont parlé. Ouais, il est absent, nanani, nanana. Oui, il est absent. Pourquoi ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il soit absent? On va en parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Vanessa Herwig, elle a posté des différents modèles de perruques. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, mon Instagram demeure officiel, ok? Salutations à Papi Chaco le Cash Money, n'est-ce pas? Salutations à mon manager, le King Akame Boss Mobutu, Eric Coca qui est la foudre, pam, n'est-ce pas? Salutations à toi, maman Néné Adam, maman Evelyne Dololo, n'est-ce pas? Elle s'appelle Papa Coco Lomboto, et Papa Passion Jeka, maman Hélène Okawaya, mamimi, mamie Yamawete. Vous êtes nombreux, vous me soutenez, mais de partout, Cornelia Moulouba Chimena, vous dites, continuez de le faire, n'est-ce pas? La Warrior Family, vous êtes nombreux, vous êtes là, vous me soutenez, je vous salue tous. Salutations à vous, n'est-ce pas? Voilà. Revenons sur le sujet de Inos B a été nominé. Réellement, qu'est-ce que ça m'a fait d'apprendre que Inos B a été nominé? Je vais être honnête, j'ai fait pardon, mais Inos B, il est nominé? Eh ben ça alors? Mais j'étais surprise. Mais j'étais surprise. Vous êtes d'accord avec moi que vous aussi, vous étiez surprise parce que vous étiez surpris parce qu'on ne s'attendait pas. Mais c'est une surprise agréable. Tout simplement parce que c'est un artiste congolais qui vend valablement le drapeau de notre pays. Nous sommes tous sans ignorer que Inos B a décollé d'une manière mais de dingue, quoi. Il a fait sa chanson « Yopé nanani nanana », on a dansé ça, ouais, dans notre communauté, c'est bon, c'était top. Quand il a fait son featuring avec Diamond Platinum, mais la façon dont le gars est parti plus qu'une fusée, on n'a pas pu le rattraper, au fait. Et ce qui nous rend fiers, c'est le drapeau de la République démocratique du Congo qui est monté très haut, très haut, très haut. Et généralement, dans notre communauté, en tout cas, les artistes qui nous représentent valablement, en haut de la liste, on avait Fally Ipupa, Fally Ipupa, Fally Ipupa. Et pam, on a un Inos B qui a commencé et directement il a décollé pendant qu'il a trouvé des aînés devant lui, des gens qui ont fait aussi la pluie et le beau temps et qui continuent de se maintenir en actualité. Mais il leur a laissé, il a dépassé, mais il est parti, on lui dit coup de chapeau. Et c'est grâce à cette chanson-là, Yopé, que Inos B a été nominé aujourd'hui. Et ça nous rend fiers. Ça nous rend fiers au point où on se dit, ben tiens, Inos B a marqué l'année 2019. Un jour, dans un live de Inos B sur Instagram, il était en train genre de clasher un tout petit peu Fally, de critiquer en disant « Ouais, que nous les Congolais, nous sommes habitués par les mêmes choses, les mêmes personnes, on se contente que de ça. Ouais, le trophée, nanani, nanana, le genre de trophée où seules les personnes qui sont allées bénéficier de ces trophées, ceux qui ne sont pas partis ne bénéficient pas. » Genre, donc pour lui, selon lui, c'était des choses déjà préméditées, déjà préparées. Mais face à cette réalité, au fait, il est nominé au BET Awards. Lui-même, il pense quoi de cela? Lui-même, il pense quoi de cela? On aimerait avoir son appréciation parce que quand d'autres personnes étaient nominées, lui aussi, il avait lancé des pics. Lui aussi, il avait critiqué. Et cette vidéo existe. J'ai reçu cette vidéo venant de plus d'une personne montrant comment est-ce qu'il avait critiqué, qu'il avait lancé un peu des pics et tout et tout. D'ailleurs, je vous mettrai une petite séquence ici dans cet élément pour vous montrer au fait. Aujourd'hui, il est nominé, nous sommes fiers de lui. Voilà pourquoi, c'est pas parce que ça arrive qu'aux autres, tu vas penser que tu es exclu. C'est parce que ça arrive qu'aux autres, tu vas donner une intention, une appréciation, ou tu vas donner même, excusez, tu vas te faire même des idées par rapport à ça en te disant, ouais, si c'est eux, c'est que certainement, nanana, nanana. Quand on entend ce que Inos B dit, on a l'impression qu'il se disait la même chose que tout le monde, comme quoi, que c'était eux, que c'était eux, que c'était eux. Mais non, c'est lui. Même les personnes, la personne sur qui il a lancé des pics, en 2020, il a été nominé en 2018. En 2020, il n'a pas été nominé. Même les Gims n'ont pas été nominés. Qu'est-ce que lui-même pense de ça? Qu'est-ce que nous devons penser de la nomination de Inos B? Il y a une main noire derrière, on l'a boosté, il y a quelqu'un qui l'a propulsé. Moi, je pense que la place de Inos B, la façon dont il est arrivé là, c'est le fruit de son travail. Fort.
Donc babilo mo moni ba bengisi bato o akenda gikande ifo yende azwa o akenda gite donc azaki okipe na makambu na e diko awozwa te o mona siko batu to bakenda ki bangonde ba prester bangonde ba zui ba speech bangonde ba memi ba trophy. Et nous on est content seulement ils ont free mate ouais ils ont free mate bah whisky de bazar na ba etats niguna ba obeta ba show ba otondi za basala minene na ba Minnesota lelo lisusuki so DC Washington ba wa pesa kana même boka en etats ni mais tellement bazar occupé en train de se faire de l'argent et puis faire des ba makambo atina ba uzwa ba trophée nzoka bangonde ba obeta eh ba trophée yango mikolo ba trophée vraiment tochaka ma ba mbongo na ba clip na ba promotion to zongisaka na ba show po ba trophée mikolo vraiment na yebite nga na za satisfait na makambo mike mike. Soki ko choqué batu etalinga te mena za kabongo les mêmes choses les mêmes choses en boucle. Il a sorti Yopé, nous tous nous avons vu comment est-ce que la chanson a cartonné partout dans le monde, on peut pas dire le contraire et c'est cette chanson qui fait que aujourd'hui il soit nominé dans le BET. Est-ce que ça a créé beaucoup de jalousie, beaucoup de tension dans la communauté congolaise, dans le monde de la musique? Ça je ne saurais le dire, je ne suis pas dans leur cœur. Mais moi je sais que ça nous rend fiers. Il y en avait marre de voir Fally Ipupa se retrouver sur une liste des nominés. Il est toujours le seul Congolais, il est toujours le seul Congolais. Et très souvent dans les remises de trophées, dans les listes de nominés, c'est très souvent Fally, très souvent Fally. Aujourd'hui au moins ça change les choses, on est fiers. Alors à toutes les personnes qui disaient que voilà, Fally Ipupa payer, parce qu'en 2018, Fally Ipupa était nominé au BET, ok, à l'époque, et il y avait beaucoup d'artistes aussi tout autour de lui. Cette fois-ci, nous constatons pas seulement l'absence de Fally Ipupa, nous constatons l'absence de Youssoupha, par exemple, nous constatons l'absence de Youssoupha, nous constatons l'absence de Gims, nous constatons l'absence de Dadju, nous constatons l'absence de Gezmawete, nous constatons l'absence de, comment il s'appelle déjà le gars du Nigeria, Davido, nous constatons l'absence de Wizkid. Donc Fally n'est pas le seul artiste vraiment avec beaucoup de succès, toujours en actualité, à être absent sur cette liste. Au moins, ça va faire mais boucler la bouche de ces personnes qui racontaient « Ouais, Fally Ipupa a payé pour se retrouver nominé au BET. » N'est-ce pas? À toutes ces personnes qui disent « Ouais, Fally Ipupa fait en sorte que ses frères congolais ne puissent jamais être nominés dans des grandes cérémonies de remise de trophées. D'ailleurs, c'est lui qui avait payé pour qu'elle soit là-bas, nanani, nanana, les mauvaises langues. » Maintenant, comment Inosbi a fait pour en arriver là? Comment Inosbi a fait pour arriver là au BET? Qui a payé pour qu'Inosbi soit là? C'est Fally? Pourquoi Fally n'a pas payé pour qu'Inosbi ne se retrouve pas là? Il n'a pas pu payer pour qu'il se retrouve dans cette liste. Il n'a même pas pu payer pour qu'Inosbi ne soit pas là. Vous voyez que aujourd'hui, Inosbi est la preuve que c'est le travail qui emmène les gens là où ils se retrouvent. C'est-à-dire, tu fais bien ton travail, tu vas te retrouver là-bas. Tu fais mal ton travail, mais tu ne vas pas te retrouver dans ce genre d'endroit. Donc le travail paye, que ça réveille la conscience de toutes les personnes qui aiment être dans les polémiques parce que tu n'arrives pas à atteindre des objectifs. Il faudrait que toi et tes potes, vous puissiez mettre ça sous la gueule d'une personne. Inosbi est la preuve que le travail paye et Inosbi nous rend fiers. Il est en train de représenter la RDC valablement aux côtés des personnes comme les Burna Boy, Choma Chozi, des grands artistes comme ça, les Nino. Il est au milieu de ces grands-là. Il est là aussi, il fait partie. Ça nous rend fiers. On lui dit coup de chapeau. Et comment on va faire pour voter Inosbi? Parce qu'il faudrait qu'on se le dise. Vous aimez bien. Ouais, on est là et tout ça. On est nominé. Nanana, nanana. Alors, comment faire pour que Inosbi soit voté? Mais c'est simple. On est toujours en train de dire, ouais, on est fiers, un Congolais nous représente. Oui, c'est pas tout. Il y a un truc à faire derrière. Déjà que nous sommes fiers de lui, c'est le plus important. Mais après ça, il faudrait voter, ok? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Instagram. Sur Instagram, quand vous arrivez, vous tapez, vous mettez @BET,
Donc, vous écrivez @BET, donc B-E-T, sous-trait. Je ne dis pas le trait d'union, j'ai dit le sous-trait, ce qui se figure en bas là. Voilà, sous-trait, I-N-T-L, ok? Vous allez follow la page et puis vous mettez un like, ok, sur la photo de Inosbi. Vous écrivez @BETE, donc B-E-T, sous-trait, I-N-T-L, et vous follow la page, donc vous suivez la page. Ensuite, vous likez la photo de Inosbi. N'oubliez surtout pas de liker. Et partagez ça à vos amis, à vos potes, pour qu'ils puissent comme ça voter massivement Inosbi. Et le BET Awards 2020 aura lieu le 28, le 28 juin 2020 à 17h sur la chaîne BET. Donc, 28 juin 2020 sur BET. À 17h, vous avez en tout cas les résultats et tout va se passer là-bas de ce côté-là. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a encore le confinement dans certains pays, mais BET nous confirme pour le dimanche 28 juin. Nous sommes tous de cœur avec Inosbi. C'est l'artiste de la République démocratique du Congo. Il faudrait le soutenir, le booster parce qu'il est très jeune et qu'il en arrive là, c'est déjà top. Alors, si Inosbi réussit à remporter ce trophée-là, si Inosbi nous fait honneur à arriver déjà là, c'est déjà bon. Si jamais il réussissait pas, déjà le plus important, c'est qu'il a été dans cette liste-là. C'est le top de chez top. Parce que même les plus grands que lui ne sont pas arrivés là. On ne va pas le décourager, on va lui dire coup de chapeau, bravo, tu as fait notre fierté. Mais si jamais il réussissait, ça nous rendra encore 10 fois plus fiers de lui. 10 fois plus fier de lui parce qu'il est arrivé, il a obtenu, il est ressorti. Donc, allons voter. La communauté congolaise, allons voter. Même les amis du Brazzaville, allons voter. C'est très important. Il ne faut pas se limiter à dire, ouais, vous avez tous dansé Yopé, non? Donc, prenez 2 secondes de votre temps pour aller voter. C'est le 28 juin que tout va se dire. Donc, voilà. Nous sommes fiers de Inosbi, nous sommes fiers de sa musique, nous sommes fiers de lui. Beaucoup de talent, beaucoup de... En tout cas, coup de chapeau, nous sommes derrière lui, nous sommes derrière toi, frère. Voilà, tu es la preuve aujourd'hui que c'est le travail qui paye. Demain, on ne va plus pointer les autres du doigt en disant, lui, il reçoit toujours les trophées, c'est que c'est des faux trophées. Lui, là-bas, il paye, nanana. Cette polémique est finie. Inosbi nous a prouvé que c'est le travail qui paye et le travail de Inosbi a payé. Coup de chapeau, voilà. N'est-ce pas? Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Continuez de partager, surtout de vous abonner sur Demeure Officielle. Je vous dis à très prochainement. Mouah! Bisous, bye! Que tous ceux qui respirent l'éternel on te mananga le comme ça yo babanzo nanga le sanjola yo po oyonga na zomona ilongoli bonza mena yote.